Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, personne n'est capable de dire Jésus est Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Des services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Des activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné de manifester l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un esprit unique.